suis éclaté. Les gens étaient super à l'écoute, c'est vachement sympa, c'est cool. C'est vachement sympa l'équipe de Michel Augustin. Donc je me suis régalé. J'ai passé un très bon moment, j'espère que les gens aussi. Évidemment. J'ai pas droit à deux ? Si, salut. Ah. Bienveillance. Partage. Dynamisme. Ça pète la dynamisme ici, c'est toi, il y en a partout. Le premier, ce serait d'avoir l'envie, peut-être un peu le courage aussi, de se poser la bonne question, c'est-à-dire d'aller chercher et de découvrir qui on est. C'est pas palpable, hein, c'est pas un conseil technique, mais c'est vachement important, c'est-à-dire de comprendre que tout ce qu'on, notre propre goût, il vient de ce qu'on a vécu. Du pays dans lequel on est né, comme j'ai dit tout à l'heure, des parents qu'on a eus, ce qui est normal. Hein. Mais si on était né ailleurs, si on avait eu d'autres parents, on aurait un autre goût. Donc finalement, c'est de l'acquis tout ça. Donc, découvrir son propre goût, sa propre sensibilité. Le deuxième, ce serait de toujours, toujours se demander pourquoi. Pourquoi ? Si on vous dit de mélanger, de foisonner des jaunes d'œufs avec du sucre pour que ça blanchisse, okay. Pourquoi ? Pour incorporer de l'air, d'accord. Pourquoi ? Pourquoi ? Toujours se demander pourquoi. Il y a toujours une réponse. Après, il y a souvent des gens, on remarque, qui n'ont pas la réponse, d'ailleurs. Et puis la troisième, c'est de se défoncer pour apprendre toute la technique, la maîtriser sur le bout des doigts, de beaucoup travailler, de ne pas avoir peur, et de se servir de tout ça, vous savez, de tout goûter sans arrêt, de servir de tout ça, la gustatio d'aigle dont je parlais, de tout ça, pour réussir à s'envoler, quoi, et à exprimer ce qu'on est. Et parce que ce qui est le plus extraordinaire dans ce métier-là, comme dans bien d'autres d'ailleurs, enfin dans celui-là en tout cas, c'est de donner ce qu'on est aux gens, de communiquer avec eux au travers de ce qu'on est, et de les voir, enfin super heureux, quoi. Enfin, c'est...